La conférence du désarmement, unique instance multilatérale en charge des négociations dans le domaine du désarmement depuis 1979, tient ses travaux dans la salle du Conseil du Palais des Nations Unies. Les fonctions de secrétaire général de la conférence sont assurées par le directeur général de l'Office européen des Nations Unies. Par contre, la présidence est alphabétiquement rotative. Ainsi, après le Sri Lanka, la Suède et la Suisse, c'est maintenant le tour de la République arabe syrienne, ce qui a provoqué une vive réaction des États-Unis. C'est une triste journée dans l'histoire de la conférence du désarmement. Il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse dire à ce sujet. Ce n'aurait pas dû arriver. Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire à part nous exprimer de manière claire et forte au sujet des crimes commis par ce régime. Différents pays se sont dit choqués qu'un pays comme la Syrie, suspecté d'utiliser des armes chimiques, préside une conférence d'où est issue la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Pour marquer sa désapprobation, le représentant des États-Unis a décidé de quitter la salle dès que son homologue a pris la parole. D'autres diplomates ont prôné la sagesse. C'est un forum très important et nous avons beaucoup de travail de fond à effectuer à un moment crucial dans le contexte international. Mon propos était que nous soyons tous concentrés sur la substance de notre travail, ce que la conférence du désarmement doit faire par rapport au point de son ordre du jour. Attaqué verbalement par de nombreux représentants sur la crédibilité de sa présidence, l'ambassadeur syrien a pris la parole en tant que représentant de son pays à la fin des interventions des membres présents. Lorsque mon pays est attaqué ou accusé d'une manière inappropriée ou avec des accusations infondées, il est de mon devoir en tant que représentant de mon pays de prononcer un discours national. Les quatre semaines à venir de la conférence du désarmement promettent d'être animées. C'est Catherine Fiancamp-Bokonga pour CGTN à Genève, en Suisse.